Nous voilà à la cinquième partie qui est toujours consacrée, je le dis ou pas, à la restauration de ma bécane qui, je vous rappelle, est une Yamaha FZ8 de 2011 accidentée. Si vous arrivez en cours de route et que vous voulez en savoir plus sur le projet, n'hésitez pas à aller voir les premières vidéos que j'ai faites. Dans les... Ouais, je vais pas toutes les énumérer, hein. Il y a 4 vidéos. Après, vous faites ce que vous voulez. Et dans cette vidéo, je vais vous partager la réfection complète du moteur. Je vais quasiment le remettre à neuf. L'intro est déjà finie. Juste un petit message avant la fin de cette intro. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous estimez qu'elle est partageable. Ou sinon, n'hésitez pas à me donner de la force en commentaire. Me donner vos impressions. Ça m'aidera à avancer. Un peu comme ça. Ceux qui n'ont pas encore vu à quoi ressemble un cylindre déglacé. Ici, à ce niveau-là, on a le premier cylindre ici qui n'a pas encore été déglacé. J'ai pas pensé à vous faire un avant et après. Bon, j'avais commencé, je me suis dit au dernier cylindre, pourquoi pas vous montrer l'avant et l'après par rapport aux autres cylindres. Ici, on peut voir qu'on a un aspect miroir et bien lisse. Hein. Bon, normalement, ça doit être lisse. Un aspect vraiment miroir. Et ici, on a les trois autres cylindres qui ont été déglacés. Le déglaçage, pour faire bref, ça permet de recréer une surface d'accroche lors de la lubrification d'huile des parois du cylindre. C'est... voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. C'était vraiment très très satisfaisant. Et voici le résultat après déglaçage. Après, il n'y a rien de bien compliqué. Il faut faire attention juste à pas trop mettre les patins en pression contre les parois. Pour enlever trop de matière. Mais bon, avant d'en enlever trop, il va falloir y aller quand même. Mais bon, juste pour vous montrer le résultat final, on peut voir que la surface a bien été déglacée. Il n'y a aucun effet miroir sur les cylindres. Et là, on peut voir que, voilà, que le résultat est très, 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 très satisfaisant. Hein.
Pour vous expliquer, ici, on a la pompe à eau. Ici, on a le cartère inférieur. Et je ne sais pas si on le voit bien, on a une liaison ici qui est faite entre la pompe à eau et le cartère inférieur. Ici, cette liaison, c'est un petit canal en fait. Et le canal rentre à l'intérieur et vient juste avant le joint spi. Alors ici, on a le joint spi. Ici, on a le roulement. Et de l'autre côté, on a l'huile. Le joint spi qui, je vous rappelle, permet de créer cette séparation entre l'eau et l'huile pour éviter le mélange entre l'eau et l'huile et que ça fasse de la mayonnaise. Ce qui se passe en fait, ce joint mécanique qui est ici là, si admettons il y a une porosité qui est faite à ce niveau là, et ben qu'est-ce qui se passe? L'eau va rentrer à l'intérieur et au lieu qu'elle aille se mélanger à l'huile, bon il y aura toujours le joint spi normalement qui sera là en sécurité, mais au lieu que ça aille se mélanger directement à l'huile, et ben elle va venir s'évacuer directement via ce petit canal d'évacuation ici. Et c'est pour ça qu'on voit un petit trou avec des fois un peu de liquide refroidissement ici. Donc voilà.
Ok, maintenant place au montage du carter inférieur. Comme vous avez très certainement dû le remarquer, le carter a été poli. J'avais fait une vidéo quand j'avais poli le carter, c'était pendant le démontage du moteur, comme si c'était la chose la plus importante à faire lors du démontage du moteur. Mais de toute manière, j'avais que ça à faire, j'avais pas encore commandé les pièces et vu l'attente, je ne pouvais pas avancer sur ça, même s'il y avait d'autres choses sur quoi je pouvais avancer, mais enfin, c'est mon petit côté désorganisé. Je commence toujours par la fin pour finir par le début, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. J'avais fait une vidéo concernant le polissage de ce carter, il est pas fini, hein, il reste à le fignoler. Je vous montrer. On peut voir qu'ici, bon là il y a du gras, on peut voir qu'il y a encore des petits stries ici, hein, du premier polissage. Je me suis dit que vers la fin, je fignolerai avec, moi j'appelle ça de la mousse abrasive, hein, ou alors du scotch bright. Du coup, moi j'ai commencé du plus gros, j'ai fini jusqu'au plus fin. Là, je veux repasser scotch bright du plus gros jusqu'au plus fin. Même si là, je pourrais rester que sur un grain fin et finir avec la laine de fer 000 et le bel gomme à lui. Let's go. Bon ok, là je viens juste de faire un simple préventif, juste par curiosité j'ai voulu contrôler les mesures au niveau des cams de leur bras cam, voir si je suis dans les tolérances. On doit être compris entre 35-75 et 35-85 avec une limite à ne pas dépasser, enfin à ne pas aller en dessous de 35-65. Ça va être bien le milieu. Ici on peut voir que moi je suis à 35-78. C'est en moyenne, hein, je suis à peu près à 35,76 et 35,78 à peu près sur toutes les cams pour la cote A. Après voilà, je ne vais pas vous faire un détail de toutes les cams que je vais prendre en mesure, mais l'idée elle, c'était de faire un simple préventif.
Petit arrêt au stand, juste pour vous expliquer quelque chose. Je m'apprête à serrer la noix d'embrayage. Pour ça, le constructeur demande, comme quasiment toutes les bécanes qui ont des noix d'embrayage comme celle-ci, d'utiliser une pince qui vient s'insérer ici dans les canelures. Par contre, attention, faut pas y aller comme un bourrin. Il faut y aller avec parcimonie, y aller délicatement. Le problème avec ces pinces-là, qui me vont bien parce que j'ai l'habitude de faire avec, au blocage, elles émettent que 2 points de pression, en fait. Il y a que 2 points au niveau de la noix. Et si on y va un peu trop fort, on peut ovaliser la noix, ou alors on peut, enfin, ovaliser, il faut y aller quand même, mais on peut au pire la fissurer ou bousiller au niveau des canelures. Enfin, il y a tout type de problème qui peut se passer. Il existe un autre outil qui ressemble un peu à un disque d'embrayage qui vient s'insérer comme ça. En fait, ça ressemble à ça. Mais généralement, chaque outil est spécifique à une moto. C'est pour ça que ça m'embête d'acheter un outil par moto. Je préfère continuer avec ça. Je peux faire tout type de moto sans me prendre la tête. En fait, l'outil ressemble un peu à un disque d'embrayage qui vient s'insérer au niveau des canelures. Sauf qu'au lieu qu'il y ait 2 points comme la pince, l'outil va bloquer toutes les canelures de la noix. Et il y a une tige en fait qui ressort par là. Et ça fait comment du serrage, au lieu de tenir qu'à 2 points de la noix d'embrayage, le disque en question avec le manche ici va pouvoir maintenir la totalité des canelures qu'il y a autour de la noix d'embrayage. Donc voilà. Ici, j'ai le rotor d'origine qui provient de la FZ8, que je vais d'ailleurs remplacer par ce rotor-là, qui provient d'une R1 de 2008. On peut voir que la différence entre les deux rotors est à l'intérieur. Sur le modèle d'origine, on peut voir que les aimants sont collés tout autour de la paroi et sont visibles surtout. Pourquoi je vais remplacer le rotor d'origine par le rotor de la R1? Ça n'a aucun but de gagner en performance, ça n'a rien à voir. Le rotor et le stator sont uniquement des générateurs qui sont là pour créer du courant. J'ai décidé de faire ça parce qu'il existe une maladie sur ces rotors-là, que certains ont malheureusement connu. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises que les aimants se décollent et endommagent tout l'allumage. Et au pire, endommagent aussi le moteur s'il y a des copeaux qui vont là où il fallait pas aller. Ici, sur le stator qu'on a ici, on a le rotor qui rentre dans le stator. L'espace qui est entre les parois du rotor et le stator est très fin. Il suffit qu'un seul aimant se décolle pour entraîner tous les autres aimants et ainsi endommager toute la partie d'allumage. Et comme je vous ai dit au pire, endommager d'autres parties du moteur. Donc, sur le modèle de la R1, on peut voir que les aimants sont protégés derrière une tôle, donc il n'y a aucun risque. Donc comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir, et je vais monter ce modèle-là. Et maintenant, parlons du second point qui est... Je reprends le relais parce que j'estime ne pas avoir été assez explicite sur ce que j'allais vous dire par rapport aux bougies que je vais monter sur mon moteur. Les bougies que je m'apprête à monter sont des bougies en iridium. L'iridium a pour avantage d'avoir de meilleures performances que des bougies standards, du fait que l'électrode de la bougie soit en iridium. L'iridium, c'est quoi? C'est un métal plus dur et donc plus durable qu'un métal classique tel que le nickel et le cuivre qu'il y a sur des bougies standards. Donc voilà, premier point positif, bougie plus durable. Deuxièmement, l'iridium étant un métal très conducteur, la tension nécessaire d'alimentation de cette bougie là sera moins importante. Deuxième point positif. Et troisième point, du fait que l'iridium soit très bon conducteur, on aura une étincelle de meilleure qualité. On aura un bon plasma, on n'aura pas un sabre laser, mais ce sera toujours mieux que rien.
Petite parenthèse, les bougies que je m'apprête à mettre sur ce moteur sont des bougies dites froides. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elles ont un indice qui permet de déterminer la quantité de dissipation de chaleur. Enfin, la quantité, non, ça permet juste de donner un ordre graduel de dissipation de chaleur. Les bougies que j'ai ont un indice de 9. 9 qui correspond à une température de dissipation assez élevée, donc une chaleur qui sera moins retenue par la bougie. Comment cette chaleur se dissipe? La bague du filetage et l'isolant céramique, en fait, qui permettra une meilleure conduction de cette chaleur à travers la culasse. Je sais pas si j'ai été clair, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc voilà, je me relaisse prendre le relais, parce qu'il y a certains points auxquels il faut faire attention avant de monter ce type de bougie. Petite et dernière précision, comme vous l'avez compris, je vais donc monter des bougies en iridium sur ma bécane. Si vous avez prévu de faire un remplacement de vos bougies d'origine par des bougies en iridium ou d'autres types de bougies, je vous conseille d'abord de consulter la documentation technique de votre bécane, ou alors d'appeler le concessionnaire, ou alors de le faire faire par le concessionnaire pour voir quel modèle sera compatible avec votre moto. Donc voilà, maintenant, place à la suite. We'll be right back.
Petit débrief final sur ce moteur. J'ai tellement de choses à dire que je ne saurais même pas par où commencer. J'ai pas envie d'allonger la vidéo davantage, surtout que s'il faut, là, je suis en train de parler tout seul, ce qui serait bien dommage. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une réflexion assez poussée sur ce moteur. Pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi je suis allé autant dans le détail sur un moteur comme ça, surtout que c'est une bécane qui, à la base, était accidentée, je me suis expliqué sur les précédentes vidéos, sur le démontage et sur les traitements que j'ai fait sur ce moteur, etc. Moi, ce que je veux, c'est rouler avec une bécane et ne pas avoir le bénéfice du doute sur une pièce. Ah, je sais pas. Je sais pas si ça c'est bon, si ça c'est pas bon. Moi, il y a certaines pièces que je n'aurais très bien pu ne pas changer, comme les coussins de biel. Ça, ça a été plutôt un caprice de ma part. Je me suis dit pourquoi pas, vu que le moteur est ouvert comme un livre, changer les coussins de biel. Et j'ai pas voulu faire les coussins de vilebrequin parce que j'ai pas jugé nécessaire que c'était le plus important que les coussins de biel. Ça sent que je vous rappelle que tout ça c'est pas gratuit. donc voilà. Aujourd'hui, je sais que j'ai les coussins de biel sont neufs, les pistons sont neufs, même les axes de pistons sont neufs, segmentation neuve. J'ai contrôlé toutes les cotes qu'il y avait à contrôler et j'ai remplacé tous les joints qu'il y avait à remplacer. Pour rappel, la culasse n'est pas celle qui était d'origine sur le moteur. Mon ancienne culasse, elle est là-bas. Donc voilà, peut-être qu'un jour je la referai à neuf et je la remettrai sur ce moteur, mais bon, on verra le moment venu. Mais de toute manière, cette culasse-là a moins de kilomètres que ce moteur. Pour rappel, elle a 10 000 et le moteur en a 14 000. Dans tous les cas, si vous avez kiffé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer de la force en commentaire en me disant comment je peux m'améliorer. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.